un enfant. Il sera raide. C'est ton devoir. To talk to your father. De parler à ton père. To ask to your father. De demander anything à ton père. You need. Tout ce que tu désires. Alléluia. Anytime you need something. Quand tu as besoin. It's your responsibility. C'est ta responsabilité. Like a child. Comme un enfant. Go and ask for. D'aller demander. Alléluia. God is a loving God. Dieu est un Dieu d'amour. God is a loving God. C'est un Dieu d'amour. Don't think that you pray. Ton père va, tu vas prier. God will not answer. Que Dieu ne va pas t'écouter. If your father on earth, si ton père au ciel, knows how to give you good things, connaît te donner les bonnes choses. What more of God in heaven? Pourquoi pas Dieu au ciel? There is no time. Il n'y a aucun temps. You go to your father. Tu vas aller chez ton and père. And tell your father. Et dis à ton père. Papa, papa, I need bread to eat. J'ai besoin de pain pour manger. And your father tell you, go and take that stone and eat. Va prendre le caillou, tu manges. Hallelujah. Your father knows what is good for you. Il connaît ce qui est bon pour toi. That is the same with God. Voilà la même chose God, avec Dieu. Who is love? Qui est l'amour? Just imagine. Imagine. If your father know how to give you good things, si ton père connaît de lui les bonnes choses, pourquoi pas Dieu? Hallelujah. Amen. But it's our responsibility as Christians. C'est notre responsabilité. As children of God, comme ses enfants, always go to him. D'aller vers lui et demander anything. Tout ce que vous désirez. God is there. Dieu est là. To give you. Pour te donner. But he only needs you to open your mouth and pray. Demande seulement. Hallelujah. Amen. Every resolve. Tout le résultat. We get from the kingdom of God. Nous recevons de la gloire de Dieu. According to our level of investment. C'est au niveau de notre prière. Hallelujah. Prayer is the only investment that you can invest into the kingdom of God. La prière c'est l'investissement que tu investis à la maison de Dieu. If you are doing business, si tu fais the level of your profit in the business. Ton profit dans ton business is determined by the level of capital you invest. C'est pas le capital que tu investis. If you are working with a capital of 15,000, si tu as 15 000, and somebody working is doing the same business with a capital of 1.5 million, quelqu'un a 1,500,000. Don't expect. N'attends pas. To have the same reward. N'attends pas le même résultat between the two people. Avant de vous dire. Obviously. The person working on a capital of 1.5 million. La personne de 1,500,000 is far above you. Est au-dessus de toi. With a capital of 15,000. Avec 15,000. That is the same thing. C'est la même chose. The result des from the kingdom of God de son royaume is directly linked to your level of investment in your prayer life. Et dans ton niveau de la prière. Hallelujah. It's your prayer life. C'est ta vie de that prière. Determine qui va déterminer your profit in the kingdom of God. Ton profit cette année. Hallelujah. And the first thing is your spiritual investment. C'est ton investissement spirituel. Of prayer and fasting. De la prière et le jeûne. Hallelujah. Amen. In Luke chapter 4, verse 14 to 15. Luke 14 and 15. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went a fame of him through all the regions and about. And he taught in their synagogue. Being glorified of all. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. When Jesus returned from his 40 days of prayers and fasting, quand il est retourné de son jeûne et la prière, the Bible makes us to understand la Bible dit that he was full with power. Il était plein de puissance. Hallelujah. He was filled with power. Il était rempli de la puissance. That is how you will be filled with power. C'est comme ça que tu vas être rempli de la puissance. That is how you will be filled with knowledge. C'est comme ça que tu vas être rempli de la connaissance. That is how you will be filled with wisdom. C'est comme ça la sagesse va remplir ta foi. Handle any obstacle on the way. Then enlever tout obstacle. Quand tu invest into prayer. Quand tu vas investir dans la prière et le jeûne. Hallelujah. Jesus actually had very much to say about prayer. Il a beaucoup à dire concernant la prière. Hallelujah. He had very much to say about il prayer. Il a beaucoup dit concernant la prière. And after all, après tout, he spent a great deal of his time. Il a passé tout son temps in prayer. Dans la prière. Hallelujah. In fact, Jesus refers to prayer as his Jesus refers to prayer in his teachings more than 40 times. Il a référé à sa prière as la prière dans son enseignement plus de 40 fois. Hallelujah. That is to make us to understand how important prayer is to our Christian life. C'est comme ça que nous devons savoir que la prière est très importante dans notre Hallelujah. Vie. When a military man is going out to war, quand un homme militaire part en guerre, he arms himself with bullets all over. Il s'habille avec les balles partout. Hallelujah. When he's without bullet, at times he wears bulletproof and all the like. Il a porté la protection de balle. A bullet is coming, will not penetrate him. Un balle ne va pas rentrer. Because he has armed himself. Parce qu'il est protégé. Our own arm, notre protection. As soldiers of Christ. Comme les soldats de Christ. Our prayer.
C'est la prière. Hallelujah. If you are weak in prayer, si tu es faible, give room to the enemy. Tu donnes if you are strong in prayer, si tu es fort, hallelujah, you keep the enemy far from you. Tu mets les ennemis loin de toi. It's your level of prayer. C'est ton niveau de prière. That will determine your level of success. Qui va déterminer ton niveau de succès. Hallelujah. Jesus showed us the example that we must pray without ceasing. Nous devons prier sans cesse. Hallelujah. Your operational power of strength will be determined by your level of prayer. Ta puissance opération va être par la prière. Your level of strength ton niveau des actes étranges will be determined by your level of prayer. Va être par ta prière. Your prayers can move mountains. Ta prière peut enlever les montagnes. Hallelujah. Your prayers can defeat enemies. Peut défier les ennemis. You can write an exam and pass with your prayer. Tu peux écrire un examen et passer par ta prière. Hallelujah. Amen. It's your level of prayer. C'est ton niveau de prière. That will determine your power of strength up. Qui va déterminer ta puissance des actes étranges. It will depend on how you pray. Ça va déterminer combien tu pries. Hallelujah. In a similar way. Dans une manière similaire. You can receive a news. Tu peux recevoir une nouvelle. Like a good news. Comme une bonne nouvelle. Somebody calls you. Quelqu'un t'appelle. And tell you. Et te dit. I am sending you 1 million to start up a business. Et t'envoie 1 million pour commencer un business. It's still a promise. C'est une promesse. And you are very happy. Tu es fier. Hallelujah. That the problem has already been solved. Que ton problème a résolu. And within a short time. Avec peu de you temps. You discover that. Tu découvres que. That promise just end like that. Ça c'est mal arrêté. You don't see it. Tu ne le vois pas. Hallelujah. Because you did not pray. Car tu n'as pas prié. Or you prayed. Ou tu as prié. But your prayer was not. Mais ta prière n'était pas suffisante. Hallelujah. And you can also receive a bad news. Tu peux aussi recevoir une mauvaise nouvelle. About something in your life. Concernant quelque chose de ta vie. Somebody will tell you. Quelqu'un va te dire. That exam that you have written. Cet examen que tu as composé. Maybe your teacher will come and tell you. I've already seen your paper. J'ai vu ton papier. You did not write well. Tu n'as pas bien composé. Hallelujah. You will fail. Tu vas échouer. It's a level of prayer. C'est ta prière. God will change that failure to success. Il va changer l'échec au succès. Hallelujah. It's a level of prayer. C'est ton niveau somebody de prière. Somebody received a good news. Quelqu'un and it will not come to pass. La bonne nouvelle and somebody received a bad news. And the news turned around. Écoute, quelqu'un a reçu une bonne nouvelle, ça n'est pas réalisé. Mais un autre a reçu une mauvaise nouvelle, mais ça s'est réalisé la bonne nouvelle. Hallelujah. That is the work of prayer. Ça c'est le travail de la prière. That is what prayer can do. Voilà ce que la prière peut faire. Hallelujah. That is what prayer can do. Voilà ce que la prière peut faire. Any circumstance that is around you. Toutes circonstances qui sont autour de toi. Is dependent on the level of prayer. Ça dépend de ta prière. Hallelujah. You have power. Tu as la puissance. You have power. Tu as la puissance. You tell that mountain to move. De dire à cette montagne quitte. That mountain will move. Et ça va quitter. By your prayer. Par ta prière. You have power. Tu as la puissance. To walk upon serpents and scorpions. De marcher sur les serpents. Without any harm. Sans être touché. By your power. By your prayer. Par ta prière. Hallelujah. It will depend on how you pray. Ça va déterminer comment tu pries. Will give you how you receive. Ça va déterminer comment tu vas recevoir. Hallelujah. Your level of prayer. Ton niveau de prière. Will determine your testimony this year. Va déterminer ton témoignage cette année. This year is our year of restoration. Nous sommes dans l'année de restauration. It is your level of prayer. C'est ton niveau de prière. That will restore you. Qui va te restaurer. To that place that you want. Là où tu veux. That job that you have been crying for. Le travail que tu as cherché. C'est ta prière. That will take you to that office. Qui va devenir le bureau là. Hallelujah. That marriage you have been crying for. Le mariage que tu prie. It's your prayer. C'est ta prière. That will put that ring in your finger. Qui va mettre l'alliance dans ta main. Hallelujah. Amen. The sickness you have been battling with. La maladie tu luttes avec. It's your prayer. C'est ta prière. That will chase that sickness out. Qui va chasser cette maladie. The poverty that has been eating you up. La pauvreté qui te mange. It's your prayer. C'est ta prière. That will turn that poverty into riches. Qui va tourner la pauvreté en prospérité. Hallelujah. Prayer. La prière. Has power. A la puissance. To move mountains. D'enlever les montagnes. In and is the responsibility of every child of God. C'est la responsabilité des enfants de Dieu. To ask from his father. De demander de son all père. All that he needs. Tout ce qu'il désire. To move prayer. Par la prière. Hallelujah. And last week. La semaine passée. Our papa. Notre père told us that it's our personal responsibility. Nous a dit c'est la responsabilité personnelle. Hallelujah. That is our personal responsibility. C'est notre responsabilité personnelle. Qui va déterminer notre succès? Qui va déterminer la restauration? Okay. Now, maintenant,
Today we will discover another dimension of how prayer. De comment la prière can restore you. Peut te restaurer. Hallelujah. Amen. Today, aujourd'hui, you will discover that tu vas découvrir que praying for others. Prier pour les autres. Hallelujah. When you engage in praying for others, quand tu engages à prier pour les autres, you will discover that tu vas découvrir que what you were in need of. C'est que tu désirais. Hallelujah. You are in need of something. Tu veux quelque chose. But you abandon that thing. Tu laisses la you chose. Don't pray for that thing. Tu ne pries pas pour and you engage in praying for others. Tu pries pour les autres. And in the course of praying for those people, à prier pour les you autres, discover that tu découvres what you were in need of. C'est que tu voulais. Has already been met. Est venu. Your need has already been met. Ton besoin est venu. Hallelujah. Open your Bible to Job chapter 42, verse 10. Tout le monde, ouvrez vos Bibles dans Job 42, verset 10. Job chapter 42, verse 10. Job 42, verset 10. Bible says, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friend. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Job 42, le verset 10, il est écrit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. And the Lord turned the captivity of Job. L'Éternel rétablit Job. Alléluia. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means that ça veut dire que Job was brought back out of that state of bondage. Job était sorti d'esclavage. That state of bondage Satan has put him into. L'état d'esclavage que Satan lui avait mis dedans. Hallelujah. That misery that he was passing through. Le misérable qu'il était dedans. The distresses that was eating him up. Les détresses qu'il était dedans. Was taken away from. Était enlevé. Why? Pourquoi? Because he only prayed for his friend. Il a prié pour ses he amis. He did not pray for himself. Il n'a pas prié pour lui-même. He prayed for himself. Mais il a prié pour ses amis. Il a prié pour ses amis. It means that ça veut dire all his diseases were healed. Toutes ses maladies étaient guéries. Probably in a moment. Dans un moment. Hallelujah. His mind was calm. Son âme était calme. His peace returned. Sa paix est retournée. When he prayed. Quand il a prié pour ses amis. Hallelujah. His mind was calm. Son âme était reposée. His peace returned. La paix est revenue. All his restorations. Toutes ses restaurations, ces choses sont revenues. When he prayed for his friend. Quand il a prié pour ses amis. And verse 12 says. Verset 12. So the Lord blessed the latter ends of Job more than in the beginning. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 young of oxen and 1,000 sheep asses. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premiers. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Alléluia. When Job prayed for his friends, quand Job a prié pour ses amis, God restored him. Dieu lui a restauré. God did not only restore him. Il n'a pas seulement restauré. But he restored him double. Il lui a restauré double. Hallelujah. God did not only restore Job. Il n'a pas seulement restauré. But he gave Job double of what he had before. Mais il lui a donné le double. Hallelujah. Amen. That is the same thing. When you engage in praying for your friends, quand tu vas engager de whatsoever thing you are in need of, tout ce que tu désires, whatsoever thing you have been crying for, tout ce que tu pleures, you will have that thing even double. Tu vas le voir double. Hallelujah. Amen. Double of it will locate you. Double de ça va venir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's only when you pray for your friends. C'est quand tu vas prier pour tes amis. You will experience it double. Tu vas le voir double. God will restore you double. Dieu va te restaurer double. Hallelujah. Amen. Quand tu pries pour tes amis. Our friends are out there perishing. Tes amis sont là-bas qui périssent. Maybe there is somebody in your family. Quelqu'un dans ta famille. The person is in sickness. Il est malade. For long. Long and time. You yourself. Tu es là. Maybe you are in need of something. Tu veux quelque chose. Abandon your own thing. Laisse ta chose. Pray for that person. Va prier pour la personne. Pray for that person. Prie pour la take personne. It as a personal responsibility. Prends comme une responsabilité personnelle. God will also take it as a personal responsibility to restore you. Dieu aussi va te restaurer. God will not restore you. Il ne va pas seulement te restaurer. But will restore you double. Mais double. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you pray for your friends. Quand tu pries pour tes amis. Let's open to Isaiah chapter 58. Isaiah 58. Verse 7.
Verset 7. Verse 7 says, it is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house, when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hid not thyself from thy own flesh. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. It is not to deal thy bread to the hungry. Ce n'est pas de partager ton pain avec ceux qui sont pauvres. To prove to your friends that you love them. Pour prouver que tu aimes ton ami. It's not only that you should give them food. Ne donne pas seulement la nourriture. It's not only that you give them money. Non, pas seulement l'argent. Alléluia. But the thing they need most from you, ce qui veut plus, is your prayer. C'est ta prière. What they need most from you, ce qui veut is plus, your intercession. C'est ton intercession. Pray and fast for them. Prie et jeûne pour eux. That is what that verse 7 means. Voilà ce que verset 7 dit. Pray and fast for others. Prie et jeûne pour les Alléluia. Autres. In all of that, you should only give them food. Ne les donne pas seulement. Not only feed them with food. Ne les nourris pas seulement. Oh, God. Oh, give them money. On parle l'argent. Alléluia. But your prayer. Pray and intercede for them. Pray and as you are praying for them. Come to pray. Hallelujah. God will reward you. Dieu va te récompenser. And the reward et ta récompense is seen in verse 8 to 10. Verset 8 et verset 10. In that Isaiah 58. Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, and the glory of the Lord shall be thy reward. Then shall thou call, and the Lord shall answer. Thou shall cry, and he shall say, here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity. And if thou draw out the soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noon. Verset 8 à 10. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gémera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira : me voici. Si tu es loin du milieu de toi, le joug. Les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigène, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Hallelujah. That is what you stand to benefit. Voilà ce que tu bénéfices. When you pray for your friend. Quand tu pries pour tes amis. Hallelujah. Thy light shall break forth. Ta lumière va briller. Any form of darkness around you. Ton ténèbre. Any form of poverty around la you. La pauvreté. Shall cease. Va cesser. The light shall break forth. Ta lumière va briller. Hallelujah. Your health. Ta santé. Shall spring forth. Va se lever. No sickness. Shall be in you. Va être sur toi. But it's only when you have brought the afflicted one. C'est quand tu vas amener ceux qui sont affligés. In bracket, when you pray for others. Quand tu pries pour les autres. Hallelujah. When you pray for others. Before you open your mouth to pray. Avant d'ouvrir ta bouche God à prier. God has already answered you. Dieu t'a répondu. Hallelujah. Your light will spring forth. Your light shall always shine. Ta lumière va toujours briller. Like the Bible says, darkness at noon. C'est comme la lumière de la journée. Hallelujah. There's no darkness at noon. Il n'y a pas de ténèbres dans la when journée. When it's darkness at noon, it means your light will be as shining as which kind of a bulb that I can call. Ta lumière va briller comme le soleil. Hallelujah. When you pray, quand tu pries, powerful things happen. Les choses puissantes se manifestent. When you are praying, quand tu pries, heaven stops. Le ciel arrête and comes to attention. Et vient pour écouter ta Hallelujah. Prière. When you are praying, quand tu pries, everyone, all the angels, tous les anges, are at attention, sont connectés, and they are listening. Et that there is somebody somewhere il y a quelqu'un calling for our attention. Qui nous appelle. Hallelujah.
As they are listening to you, comment they go? That's how they are coming beside you. C'est comme ça ils viennent. That's how they are coming c'est beside comme ça you. That's how they are being drawn. C'est comme ça ils attirent toi. Hallelujah. Hallelujah. When you pray, quand tu pries, the Red Sea will divide. La mer rouge va partager. When you pray, quand tu pries, you overcome poverty. Tu vaincras la pauvreté. When you pray, quand tu pries, illnesses and all forms of failure disappear in your life. L'échec et les maladies vont quitter. Hallelujah. But I am not asking you to pray. Je ne te demande pas de prier. Just for yourself. Seulement pour toi. But seul. Pray for others. Prie pour les autres. Hallelujah. Amen. Don't only pray for yourself. Ne prie pas seulement but pour toi-même. Pray for others. Prie pour les autres. Use your prayers. Et tu ta prière. To help someone else. D'aider une autre personne. Reach out his highest potential. Touche ses potentiels riches. Hallelujah. That you should use your prayer to cause someone to attain his highest potential. Prie pour une personne de réaliser sa vision en général. Hallelujah. It's not only that you pray for yourself. Ne prie pas seulement pour toi seul. But pray for others. Prie pour les autres. Hallelujah. In the book of Acts chapter 12. Acte 12. If you read Acts chapter 12. Tu lis Acte 12. King Herod was against Herod the church. Était contre l'église. Hallelujah. And he arrested James. And killed James. Il a pris Jacques, il a tué Jacques. Hallelujah. When James was killed. Quand Jacques était tué. It was like the people were happy. Les gens étaient fiers. Hallelujah. And Herod also proceeded and arrested Peter. Il a aussi pris Pierre. When he arrested Peter, il a pris Pierre. He put Peter into prison. Il a mis Pierre en prison. And he put Peter in the most secure place in the prison. Il a mis dans l'endroit plus sécurisé. Hallelujah. But at midnight, mais à minuit, the night before Peter's trial, la nuit avant la mort de Pierre. Hallelujah. The verse 5 of that Acts chapter 12. Verset 5. Says that what? The church was endlessly praying. L'église priait sans cesse. For Peter. Pour Pierre. They were praying for Peter. Ils priaient they pour were Pierre. Not praying for themselves. Ils but they were pour praying eux, for their brother. Ils priaient pour leurs frères. Hallelujah. The believers gathered together. Les croyants sont rassemblés. In the house. Dans la maison. They spent the night. Ils ont prié la nuit. Asking God for help. Demandaient Dieu l'aide. To help their friends. De aider Pierre. And bring him out. Et lui sauver son. Hallelujah. And while they were praying, comme prière, Peter was sleeping. Pierre dormait. Peter was not awake. Il ne priait pas, il ne dormait. Peter did not know il ne connaissait that pas. Some people were praying for il him. He was sleeping. Il dormait. But the church was praying. Mais l'église priait. His brothers were praying for ses him. Frères priaient. Hallelujah. And as they were intensifying in prayer, comme prière, hallelujah. The Bible makes us to understand that the angel of God appeared in front of l'ange Peter. S'est apparu. Hallelujah. An angel appeared in front l'ange of Peter apparu in the prison, en prison and woke Peter up. Et fait que Pierre s'est levé. Peter was not praying. Il ne priait pas. He was sleeping. Il dormait. Maybe he was discouraged. Peut-être il était découragé. Maybe he has given up. Peut-être il s'est abandonné. And maybe he has accepted any verdict that will come upon him. Il a accepté tous les problèmes qui vont venir. Hallelujah. But thank God. Mais remercie Dieu. He had friends. Il avait les amis. He had friends. Il avait les amis. Who were praying for qui priaient pour lui. When the angel woke Peter up, comme l'ange lui est levé, the chains in his hands break. Les chaînes étaient brisées. Hallelujah. And Peter walked. Peter and the angel walked past the first guard that were guiding the prison. None of them saw them. Pierre s'est sorti, personne ne l'a vu. Hallelujah. And when they approached the gate that was made of iron, quand ils ont approché la barrière, the gate opened on its own. La barrière s'est ouverte par elle-même. And that is how Peter's life was spared. C'est comme ça que Pierre était sauvé. Hallelujah. Why? Pourquoi? Because his friends. Parce que ses amis took it as a personal responsibility. On prie comme une responsabilité personnelle pour prier pour leurs amis. Hallelujah. Amen. His friends prayed for him. Ses amis and it was that prayer. C'est leur prière. That released Peter. Qui a relâché Pierre. Let's apply it into our daily life. Appliquez ça dans notre vie. You have friends. Tu as des amis. You have family brothers. Tu as des frères de famille. You have family sisters. Les frères de passing through one problem or the other. Ils sont dans un problème ou l'autre. Hallelujah. Take it like a personal responsibility and pray for them. Prie pour eux. Hallelujah. Pray for them. Prie pour eux. When God will see you as part of prayer. Quand Dieu va être à ton niveau de prière. When God will see you as level of prayer. Il va voir ton niveau de prière. God will not allow you the same. Dieu ne va pas te laisser le même. God will not allow you the same. Il ne va pas te laisser God le même. God will not decorate that person. Dieu ne va pas décorer la personne. And allow you in that. Et te laisser dans God will want to first of all honor you first. Il va d'abord te before honorer. Before honoring the person avant you avant la personne que tu as prié pour lui. Hallelujah. So take it like a personal responsibility. Prends comme la responsabilité personnelle. You have a gift. Tu as un don. You can help someone que tu veux aider quelqu'un to succeed. De réussir. Hallelujah. On their own.
Par toi-même. You cannot do it. Tu ne peux le faire. Peter could not pray for himself in that prison alone. Il ne pouvait pas prier lui seul. Alléluia. But when the friends gathered to pray for him. Quand on a prié pour lui. That is how he was rescued. Il était sauvé. But when you pray. Mais quand tu pries. Alléluia. Prison doors open. Les portes de prison ouvrent. When you pray. Quand tu pries. Curses are broken. Les maladies, malédictions sont brisées. When you pray. Quand tu pries. Sicknesses disappear. Les maladies disparaissent. Don't only pray for yourself. Ne prie pas pour toi-même. Pray for your friends. Prie pour tes Don't amis. Only pray for yourself. Ne prie pas pour toi-même. Pray even for your enemies. Prie pour tes Don't ennemis. Don't only pray for your friends. Ne prie pas pour Pray for your family. Prie pour ta Don't famille. Only pray for your friends. Ne prie pas pray for your neighbors. Prie pour tes voisins. As God, when God wants to decorate them. Maybe somebody is in need of something. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Hallelujah. There's somebody that is in need of something that you quelque chose que tu... You take it like a personal responsibility. Prie pour la personne. That God help Sister Amanda to have her visa. Aide la help Sister Amanda to have her visa. Meanwhile, you yourself, you are also jobless. You don't have anything to do. Tu you don't have any way to go. Tu pries pour une autre, alors toi-même, tu n'as rien. Hallelujah. When God will arise to help that sister, quand Dieu va venir pour aider la personne, God will first of all decorate you. Il va d'abord God will answer you first. Il va d'abord God will restore you first. Il va te God will give you what you need first. Il va donner ce que tu veux. Before giving that you are praying of. Avant de donner ton ami là. Hallelujah. That is the power of prayer. Voilà la puissance de la prière. You can just look at someone in church. Regarde quelqu'un dans l'église. Who needs something. Qui veut quelque chose. Pray. Pray. Fast. Jeune. And intercede for that person. Intercede pour la personne. And you see yourself. Et tu vas te voir. Flying high without stress. Qui va s'envoler sans stress. Hallelujah. You see yourself. Tu vas te voir. Flying high. Tu vas t'envoler sans without stress. Sans stress. As that verse 10 of Isaiah 58 says. Verset 10 Isaiah 58. And if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme d'indigène, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Alléluia. Choose one sister in church. Choisis une sœur dans l'église. Or one brother in church. Ou une frère à l'église. Or one person. Ou une personne. In your family. Dans ta famille. Alléluia. Maybe you know what that person needs. Tu connais ce que la personne a besoin. Take it like a personal responsibility. Prends comme une responsabilité personnelle. Pray. Fast. Jeune. Intercede for that person. Intercede pour la personne. Hallelujah. You can even like kind of forget about your own need. Oublie ta part. And pray for that person. Prie pour la personne. Pray and fast for that person. Prie et jeûne pour la personne. As Job did. Comme Job a fait. Hallelujah. God will restore you. Tu vas te restaurer. You see yourself. Tu vas te voir. Flying high. Qui s'envole. You see yourself. Tu vas te voir. Succeeding. Réussi. Hallelujah. Amen. Again. Encore. As you pray for others. Comme tu pries pour les you autres. Make way for yourself. Tu fais le chemin pour toi-même. Hallelujah. When you pray for others. Quand tu pries pour les open autres. Open way. Tu te ouvres le chemin. For yourself. Pour toi-même. Hallelujah. And what you stand to benefit. C'est que tu bénéfices. When you pray for others. Quand tu pries pour les autres. Hallelujah. Healing. La guérison. Hallelujah. You have healing. Tu as la guérison. In James chapter 5 verse 16. Jacques 5 le verset 16. The Bible says. La Bible dit. Confess your fault. Confesse tes péchés to another. Confesse tes erreurs aux autres. And pray for another. Et prie pour les autres. Hallelujah. Pray for others. Prie pour les autres. That you may be healed. Que tu vas être guéri. Pray for others. Prie pour les maladies. But pray for others. Prie pour les and autres. And God will heal. Dieu va te guérir. When you pray for others. Quand tu pries pour les God autres. God will heal you. Dieu va te but guérir. You can see. Hallelujah. You are not praying that God heal me. Tu ne peux pas dire guéris moi. When you are praying for some other person. That God help this person. God will take you out of that sin. Tu pries pour une autre, Dieu va te guérir. Hallelujah. You are praying for some other thing, but God will heal you. Dieu va te guérir. When you pray for other people, that people les what is another benefit you stand to benefit? Any other benefit? Anytime you open your mouth to pray, quand tu demandes quelque chose, Dieu va te donner la chose. Anytime. Toutefois. All that in bracket, God will meet all that you. Il va donner tous tes besoins. All that need. Tous tes besoins vont être donnés. Hallelujah. Only when you pray for others. Quand tu pries pour les autres. Another benefit. Une autre. When you pray for others. Quand tu pries pour les autres. Hallelujah. No matter what you have lost. Tout ce que tu as perdu. Shall be restored back. Va être restauré à toi. You shall experience unstoppable restoration. Tu vas avoir une restauration all that restoration. Toute forme de not restauration. Not only restoration. Pas seulement la restauration. Double. Mais double. Double of what you even need. Double de ce que tu désires. Being provoked by what? Provoqué par quoi? Your heart of prayer. Ton cœur de la prière. Hallelujah. Pour les autres. Hallelujah. Amen.
Take it like a personal responsibility. Prenez ça comme une responsabilité personnelle. Take it as a determination. Comme une détermination. That this month, que ce mois, I am praying for this person. Je prie pour cette personne. I am praying for this person. Je prie pour cette personne. Hallelujah. As you are praying for him, comme tu pries pour la personne, God will take away sickness from you. Dieu va enlever la maladie. God will take away poverty. Il va enlever la pauvreté. Any form of darkness around you, de ténèbres, shall be taken away. Va être enlevé. Any barrenness around toute stérilité, you, shall be taken away. Va être enlevé. Hallelujah. Amen. And you shall see yourself. Tu vas voir, flying high. Tu vas te voir envoler. You shall see yourself. Tu vas te voir decorated. Soit être décoré. Hallelujah. Only when you pray for others. Quand tu pries pour les autres. Hallelujah. As you work well, comme tu travailles bien, in other people's business. Dans le business des autres. Hallelujah. Amen. Maybe you are working with somebody. Tu travailles pour quelqu'un. You are working in a business for somebody. Tu travailles dans une business de quelqu'un. Any day you sit like this in the office. Tu t'assois dans le bureau. You receive money at the end of the month. L'argent. You see that money has entered more than 5 million. L'argent est de plus de 5 millions. Hallelujah. But at the end of that month. Fin de mois. They only come and pay you 30,000. On te donne seulement 30 000. Out of 5 million that you people realize. Alors, tu as reçu 5 millions dans ton bureau. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You'll be worried. Tu vas te déranger. You'll be worried. Tu vas te déranger. You'll ask yourself. Tu vas te demander. Why is this man so wicked to me like this? Il est méchant. And the next thing will be that. La prochaine chose. You'll be tempted. Tu vas être tenté. To leave that job. De abandonner le travail. Or to do it. De faire. Not with all your heart. Pas avec tout ton cœur. Or to be a crook. And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas été fidèle dans ce qui est à toi, qui vous donnera ce qui est à vous? Hallelujah. You need to be faithful. Tu dois être fidèle. To what is not even wrong. De ce qui n'est pas de pour toi. Hallelujah. That your patron's business. Le business of that the end of the day. À la fin du jour. You work 3 million. Tu as 3 millions. Or you see money entry like this. L'argent entre. But on going back home. En rentrant. Even 10 francs. 10 francs. You will not give you. You will trek. Too much. For a distance of more than 15 minutes to 30 minutes. 15 minutes. And at the end of the month. Fin de mois. They give you 30,000. 30 000. Hallelujah. You will be grumbling. Tu commences à murmurer.
Father, if you are not faithful to that person's business, God will not also be faithful to you. You need to be faithful to that business. You need to be faithful to that person. God will be faithful to you. Hallelujah. Hallelujah. You need to be faithful to one another. God will be faithful to you. Your level of prayer, ton niveau de prière, and service for others, will determine your glory. Hallelujah. How you pray for others, comme tu pries pour les autres, how you serve others, comme tu sers les autres, will determine how far you will fly. Va déterminer combien tu vas t'envoler. Will determine how far you shall be restored. Va déterminer combien tu vas être restauré cette année. Will determine how far you will succeed. Va déterminer combien tu vas être riche. Hallelujah. Amen. If you fly, if you want to fly high, tu veux envoler loin en haut. If you want to succeed high, tu veux avoir le succès en haut. Hallelujah. You need to engage high. Engage-toi en esprit. Invest highly. Engagez ferme dans l'esprit. In your prayer and in your service for others. Dans ta prière et le service not pour les autres. Not praying for yourself. Non pas pour toi seul. Not serving yourself. Non pas te servir seul. But praying for others. Mais les autres aussi. And saving others. Et servir les autres. As you are praying for them. Comme tu le fais pour eux. And serving them. Tu le sais. God will save you. Dieu va te servir. God will glorify you. Dieu va te glorifier. God will lift you up. Il va t'élever. Hallelujah. Amen. God is about to lift somebody. Dieu va élever quelqu'un. I know. Je sais. Everyone here is aiming high this year. Va aller loin cette année. Hallelujah. Everyone is aiming high. Mais tout le monde. And God is here in person. Dieu est ici. To take you high. Pour t'amener en haut. Above your expectation. Au-delà de ton expectation. Hallelujah. Amen. But it will determine. It will be determined by your level of prayer. C'est ta prière. And the level of service. Et ton service. For others. Pour les autres. If you want to fly high. Tu dois être en haut. You need to invest high. Investis en haut. And if you invest low. Si tu es en bas. Don't be expecting to fly high. Ne t'attends pas d'aller en haut. Hallelujah. Amen. Because. Parce que. Our benefit. Nos bénéfices. Is directly linked to our investment. Et dans notre investissement. And the investment is our prayer life. Cet investissement c'est notre prière. Hallelujah. Amen. You want to go high. Tu dois être en haut. Pray high. Prie en haut. Not only pray for yourself. Non pas pour toi seul. Pray for your friends. Mais pour tes amis. Pray for your enemies. Pour tes ennemis. Pray for your neighbors. Pour tes voisins. Pray for your sisters. Pour tes sœurs et tes frères. Hallelujah. Amen. As you engage in praying for them. Comme tu pries pour eux. As you engage in interceding for them. Comme tu intercèdes pour eux. God will take over your Dieu va prendre contrôle. God will decorate you. Dieu va te décorer. God will lift you high. Dieu va t'élever en haut. Hallelujah. As he restored you. Comme il a restauré. Hallelujah. Amen. The same way. La même manière. Good job was restored. Il était restauré. To double. Double. I prophesy double restoration. Cover someone's life this morning. This year, in Jesus' name, amen. Rise to your feet. Rise to your feet. Open your mouth and begin to thank.